contre-attaque, des contre-attaques meurtrières. Et il est dangereux le Bougre, alors que la France, elle va essayer de construire. Vous les voyez, en ce moment, il y a d'Hospital, là. Il y a Dintran, il y a Paparambord. Je voulais, au fur et à mesure, là, le Revailler. Derrière, là, vous voyez Carpentier-Viviès. Viviès derrière, Pardot. On revient à cette Joinel, mais il tourne le dos. Et là, voilà, il tourne le dos. Et c'est Rive qui tient le ballon, capitaine, qui va entrer en tête. Rive qui doit avoir le cœur qui fait boum boum, Pierre. Oui, c'est un moment très difficile pour les joueurs, car entre les vestiaires et le gouvernement, et devant les responsabilités, et il tarde aux joueurs, justement, il tarde pour le coup de sifflet libérateur, comme l'on dit, viennent justement là pour leur donner raison, à savoir qu'ils sont alors dans le match. Et quand on est dans le match, tout va beaucoup mieux. Un Berdon. Demain, c'est un retour à Berlon, qui s'est passé trois fois la carte. Il fait beau. Il a tout le temps de la vie. 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 Voilà, oh, oui, monsieur, voilà, ici. Ah oui, oui, je vois, c'est un joueur, il n'y a pas de nationalité, c'est un joueur du monde. Il est tellement merveilleux. C'est vrai que c'est un très beau joueur avec Munro ici, les liés qu'on a vus, et puis Renwick et Robinson, Berlo. Voici les équipes qui rentrent sur le terrain, deux capitaines et les joueurs derrière eux. Voilà. Les deux équipes sont sur le terrain. L'équipe de France va jouer à gauche de votre écran. Maillot blanc, culotte bleue. Et les Écossais, maillot bleu, culotte blanche, bleu foncé. L'arbitre a un maillot rouge, et vous allez vous dire, mais il est gallois, c'est un maillot rouge. Eh bien, vous avez raison, il s'appelle Ken Rowland. Et maintenant,